L'art, c'est ce qui, dans 500 ans après, c'est toujours aussi beau et toujours aussi vrai. L'art a toujours changé le monde, il a toujours de l'avance dans le monde, mais il faut faire la différence entre l'art et la culture. La culture, c'est l'air du temps, c'est le reflet d'une époque, ça datera forcément, ça a rarement de l'avance. L'art, c'est très différent, c'est ce qui reste. Donc c'est cet art-là, l'art, qui change le monde. Si c'est vraiment de l'art, c'est-à-dire si c'est vrai et beau et si ça restera vrai et beau dans 500 ans, ça ne parle pas qu'à celui qui l'a fait. Mais parfois, comme ça a de l'avance, on a l'impression que ça ne parle qu'à lui. On a dû se dire ça de Picasso, du cubisme, de toutes sortes d'avant-garde. Puis finalement, on s'est aperçu que ça parlait à beaucoup de gens, même un siècle après. Ça, c'est de l'art.